Comme d'habitude, la file choisie par les autres voitures dans un bouchon avance toujours plus vite que la vôtre. Vous avez dit comme d'habitude? Mais votre ignorance vous perdra. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas remarqué la plaque d'immatriculation des deux ou trois véhicules qui se trouvent juste devant le vôtre, à chaque fois que vous vous retrouvez coincé dans un embouteillage. Il n'y a rien qui vous a fait tiquer? Allez, réfléchissez un petit peu. Concentrez-vous donc. Eh bien, le système d'immatriculation des véhicules repose sur une logique suivante. Deux lettres, un tiret, trois chiffres, un tiret, deux lettres. Et en appliquant une formule de calcul mathématique un petit peu trop longue à expliquer ici, les neuf signes, tiret compris, et qui composent les plaques des véhicules bloquant le vôtre, se décodent toujours, et j'ai bien dit toujours, de la même façon, avec neuf lettres identiques. P, L, A, Y, M, O, B, I, L. Et toujours dans le même ordre. Ce qui donne Playmobil. Et voilà. Alors, vous croyez toujours à ces histoires de fils qui n'avancent pas? Vous croyez toujours que c'est une question de hasard? Eh bien, non. On a l'impression qu'on fait de nous des joujoux dans nos voitures, des Playmobil dans nos voitures, et qu'on nous manipule à souhait pour faire de nous tout ce que l'on veut. Eh bien, c'est ça la vérité. Alors, toujours pas convaincu? Alors, que se passe-t-il? Lorsque vous pouvez de nouveau passer la première, relâcher l'embrayage, et lorsque l'embouteillage commence à se dissiper un peu, eh bien là, à 10 mètres devant vous, quatre types traversent tranquillement, façon Beatles, sur un passage piéton, et vous bloquent à nouveau. La circulation donc s'arrête. Et alors que vous n'en pouvez plus, que vous êtes affamé, que le frigo est vide et que toute votre famille attend après vous pour approvisionner le repas? Et là, comme par hasard, juste à côté du passage piéton, sur lequel quatre Beatles marchent au ralenti, eh bien là, un énorme panneau publicitaire aux couleurs criardes vient frapper votre regard. Impossible de le rater. Si encore vous étiez dans une autre file, ben vous auriez pu au moins faire semblant de ne pas le voir. Mais là, les yeux de la gamine fichés dans les vôtres, en train de dévorer un burger moelleux, dégoulinant de fromage, avec une viande cuite à point et des petits légumes, une feuille de salade, une tomate qu'on croirait sortie du potager des dieux. Et voilà les yeux de la gamine fichés dans les vôtres. Eh bien, voilà donc. Les enseignes et les perfides enseignes de fast-food vous ont eu. Vous savez ce que vous allez ramener ce soir à la maison.
Vos enfants vont vous sauter au cou. Ils vont vous sauter au cou, en espérant et en salivant déjà à cette pensée délicieuse. Oui, mais voilà. Quand vous aurez le burger en bouche, eh bien, il n'aura pas du tout le même goût que celui de la gamine sur le panneau publicitaire. Parce que le vôtre aura dans la bouche un arrière-goût, un goût de plastique, un goût de Playmobil. I'm running, I'm running, I'm running, I'm running.